my subjects. It is I, Dr. Zorb. Captain Cosmos thinks he defeated me in the legendary run. But I shall gather my forces, and I will have my revenge. Greetings, Earthling. I am Zerzo of the Zebulon Empire. I'm an astronomer. I study the sky and extraterrestrial life. Dr. Zorbo's wicked schemes are even further on the path to villainous victory. Find out more in Zorbo's Revenge. Et bonjour à tous. Bonjour Geoffrey, bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va. Et ça va. Parfait, parfait. Et bonne année tout le monde. On est très heureux de vous retrouver pour le premier stream de 2022. Voilà, qui sera dédié à Fallout 76. Donc, bienvenue à tous sur le chat. Je vois que pour une fois, il n'y a pas les pseudos de d'habitude. Donc j'ai hâte de tous vous rencontrer. Ah, merci, oui, bonne année. Je ne sais pas quoi vous souhaiter. Voilà, plein d'armures assistées, plein de mitrailles légendaires, plein de capsules, tout ce que vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, et surtout la santé, exactement. Bien sûr. est-ce que tout fonctionne? Vous nous entendez bien? Il n'y a pas de soucis? Ah, salut Marie-Cofi, bonne année à toi. Si vous nous entendez bien, on va commencer rapidement par faire un petit tour des news, des dernières news sur nos jeux. La fin d'année était... Un petit peu plus calme, voilà, on vous a laissé profiter des fêtes, mais on revient en force, voilà, à partir de maintenant. Donc, pour commencer les news, bah, comme on vous le disait, on vous souhaite à tous une très bonne année, en vous partageant cet artwork qui a été réalisé par le studio Tango Gameworks, donc c'est ceux qui ont fait Evil Within. Et là, c'est vraiment un dessin qui est dédié à leur prochain jeu, Ghostwire Tokyo, où vous pouvez voir trois ennemis, on va dire trois yokai, si vous êtes expert du Japon. Trois yokai, des esprits japonais qui seront présents dans Ghostwire Tokyo, que vous pourrez rencontrer dans vos aventures. Pour rappel, le jeu sortira au printemps 2022. Et pour vous faire un petit résumé, si vous n'avez pas encore vu ce dont parle Ghostwire, en gros, il y a 99% de la population de Tokyo qui a disparu. Et vous incarnerez le héros qui va essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. On est vraiment plongé dans une ambiance ouf, quoi, de Tokyo. Si vous aimez le Japon, vous devriez adorer. La ville est hyper bien modélisée, enfin, voilà. On vous en dit pas plus, on espère pouvoir vous en montrer plus prochainement. Mais voilà, vous pourrez rencontrer ce genre d'ennemis. Et en particulier le chat, le Nekomata, il est trop mignon. Il est très très mignon, effectivement. On ne vous dit pas ce qu'il fait dans le jeu, mais c'est vraiment le plus mignon. Moi j'ai mon Nekomata qui est là, voilà. donc voilà pour Ghostwire Tokyo. Ensuite, un petit artwork de Starfield. On en a partagé quelques-uns fin 2021 sur notre compte Twitter et notre compte Instagram. Donc voilà, pour vous faire un petit peu plus découvrir en coulisses l'univers du prochain jeu de Bethesda Game Studio, donc les créateurs de Fallout et de Skyrim. Donc voilà, là vraiment on est dans l'exploration, hein. Et n'oubliez pas de rejoindre la constellation. Vous pouvez aller sur le site web Join Constellation et vous inscrire à la newsletter pour recevoir en avant-première ce genre de contenu, ce genre d'infos sur le jeu. Donc voilà, si vous vous intéressez à Starfield, n'hésitez pas. Pour l'instant, ce qu'on en voit, c'est magnifique.
On a hâte, et Geoffrey, je crois qu'il aime beaucoup ce genre d'univers, donc oui, voilà. Très fan, effectivement. Hâte d'en voir plus. Très hâte d'en voir plus. On enchaîne, du coup, je te cède la parole avec Ezo. Ah, bien sûr, Ezo, tout à fait. Je vais pas vous dire grand-chose, mais je vous invite surtout à venir nous voir, du coup, sur Twitch, sur cette chaîne Twitch-là, Bethesda France, pour notre grand reveal d'annonce du contenu 2022. Ça aura lieu le 27 janvier à 21h sur notre chaîne. Si vous voulez un petit peu, et si vous ne l'avez pas encore vu en tout cas, avoir un tout petit aperçu, un tout petit teasing de ce qui va se passer, on a publié une petite vidéo, un petit teaser sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, sur nos comptes Elder Scrolls France. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve du coup le 27 janvier pour en apprendre beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a vu ? Moi j'étais même pas là pendant le teasing. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce petit teaser ? Aïe, 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 on y voit des choses très mystérieuses, on y voit des navires naviguant vers un horizon, vers une tempête, ainsi qu'une figure en armure qui a l'air fort mystérieuse, si je puis dire. Voilà. Ok, très bien. Bah, hâte d'en voir plus le 27 janvier. J'espère que vous serez tous là, hein. Abonnez-vous pour suivez-nous en tout cas pour être sûr de ne pas louper nos streams. Oui, tout à fait. Et enfin, dernière news sur Fallout 76 pour toi, Clara. Oui, alors du coup, en ce moment, il y a le monde d'Élise du Boucher qui est disponible. C'est à durée limitée, donc n'hésitez pas à aller tester. Le principe, c'est que vous avez munitions infinies, zéro coût de PA, et vous avez la fonctionnalité démembrement qui est constamment active. Donc voilà, si vous aimez juste tirer dans du mob avec des munitions infinies et voir... décor explosé en charpie, voilà, n'hésitez pas, c'est assez fun à tester. Un peu le monde Doom dans Fallout, quoi. Si... Oui, un petit peu, ouais. C'est vrai que là, quand on le voit comme ça, avec le dessin... il y a une petite inspiration Doom Slayer, complètement. On n'est pas loin, ouais. Bah écoutez, bonsoir Cyber Coffee, merci, ah. Bonne année à toi également, bonne année à tous ceux qui nous rejoignent. bonne année les jeunes, merci Kims, bonne année également. on se retrouve pour en 2022. On va jouer tranquillement à Fallout 76, faire quelques petites quêtes, continuer d'avancer. Vous avez été nombreux à participer à l'événement de l'homme phalène pendant notre dernier stream et on avait bien rigolé. Donc voilà, là on va continuer l'aventure tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas, je crois, de nouvel événement, là, cette semaine en tout cas. Mais ça ne nous empêchera pas de faire quelques quêtes. Et les bonnes résolutions, je sais pas. Arrêtez de manger deux paquets de bonbons par jour. Non, mais j'arriverai jamais. Personnellement, ce serait fini, on aurait réussi mon stage chez Bethesda, voilà. Après 4 ans et demi de stage, Geoffrey aimerait... La même résolution que l'année dernière, en somme. Voilà, c'est ça qui me souhaite. Valider le stage de Geoffrey, c'est incroyable, Clara a validé son stage avant Geoffrey. Ouais, c'est assez fou quand même, hein. C'est assez fou. Très fier de moi, voilà. Alors, écoutez, je retourne dans le jeu, donc voilà, comme vous pouvez voir, mon camp n'a pas du tout évolué. Il est sublime. Il est toujours là, surtout. Il est toujours là. Donc voilà, des infos sur 76, des infos à quel niveau, Miam. Il y a des choses qui arrivent, malheureusement, t'imagines bien qu'on ne peut pas te donner d'infos en exclu là sur le stream de Bethesda France. Mais on communique régulièrement sur nos réseaux sociaux. The Pit, voilà, qui avait été teasé à l'E3, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On a disparu du stream. Ouais, je crois que nos cams ne sont pas là, cependant. Vos cams ne sont pas là. Alors, pourquoi donc ? Et là, je vous vois, et quand je mets le jeu, je ne vous vois plus. Pourquoi donc ? Là, c'est bon, je crois que c'est revenu. Là, j'essaie c'est revenu. Sur le jeu, ouais. Et là, si je reviens sur le jeu. Ah, aïe, 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 il se passe des choses. Ah, misère. Attendez. Il se passe de la magie. Je vois plus. Pourquoi donc ? Est-ce que tu serais pas en plein écran sur le jeu ? Bah, si.
Eh ben, je t'invite à repasser en fenêtré peut-être, parce que je pense que Fallout doit certainement réduire Discord. Ah là là, alors attendez, du coup, attendez, je Bonne vais revenir résolution, déjà. faire un stream à toi seul cette année sans problème technique. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ah, mais même là-dessus, vous disparaissez. Alors attendez, Ben oui, je du coup. vais affichage, mode, fenêtré. Ok, mais du coup, il faut que je quitte le jeu. Donc Bien je sûr. reviens. Bien sûr, ne t'en... On... prends ton temps. Il n'y a pas de souci. Mais Il n'y oui, a pas de bah souci. vous savez bien, vous savez bien que ce n'est pas un stream Bethesda si on n'a pas un petit problème Problème technique. technique. Bien sûr. Vous le savez. On reprend l'année, on reprend tranquillement. Voilà. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de stream. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais en plus, ça marchait tout à l'heure, je comprends pas quand je regardais. Enfin bon. Clara, elle Enfin a bon. déménagé. Alors, je crois qu'elle a déménagé chez elle, Clara. J'ai Parce que c'est déménagé surtout là, ça. de ma chambre jusqu'au salon. Voilà. Ouais, Je crois pas qu'elle ait vraiment déménagé, quoi. je vois Fréduche qui nous souhaite une bonne année, bien sûr. Bonne année également, bien sûr. Bonne année, Fréduche. Merci, bonne année à toi aussi. Et non, news de Fallout 5, non, arrêtez, il n'y a rien à dire sur Fallout 5. Voilà, je vous connais. Un an de Fallout de l'achat de Microsoft, c'est vrai que ça fera bientôt un an qu'on a été racheté par C'est Microsoft vrai, au mois de c'est vrai. mars. Au mois de mars, effectivement. Ouais. Alors attendez, hein, je reviens, je regarde Mais bien si tout sûr. fonctionne. Bien sûr, bien sûr. N'hésite pas. Bon, sinon, vous avez tous passé un bon réveillon, des bonnes vacances. Vous avez été gâtés. À Noël, Kim, est-ce que tu as continué de remplir ton étagère de goodies? Alors Mince, là, je suis Brésilien qui parle. dans Ah, le Kim. jeu. Le Covid. Toutes nos excuses. Oh, t'as été Je pense que covidé, t'étais pas le mince. seul, hein. Ouais, c'est vrai. Mais pas mal de commandes reçues. Ouais, tu t'es fait ton petit Noël. Ah, la troisième dose, Fréduche, ben, j'espère que t'as pas trop mal au bras ou mal partout. Ah, là ça marche, parfait, Là, très ça bien. marche? Bon, Mais bien sûr. je joue avec une fenêtre méga réduite, hein. Mais il y a pas de souci. L'avantage c'est que t'as un énorme marteau et que t'as vraiment pas besoin de viser en fait. C'est ça, on va dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah tiens, il y a quelque chose qui vient d'arriver dans la boutique. Alors, on va le prendre. Bien sûr. Alors, non, c'est où? Ah, ou peut-être j'ai déjà les trucs. Les chewing-gums. C'est important, les chewing-gums en plus, quoi. Tout à fait. Et les icônes, bah, l'icône, je l'avais peut-être déjà. Ah non, elle est là. Oh, l'aigle américain, bah, c'est pas mal ça. Je ressemble à un Ah cacodème. Bien manger, quoi. Alors, et Fréduche. qu'est-ce qu'on a dans les défis pour augmenter un peu le score, gagner un niveau? Bah, je sais pas si ça va être le cas aujourd'hui. Planter une culture à un atelier ou à votre camp. Ah bah là t'es là, là faut en profiter. Mais j'ai pas de graines, j'ai rien. Oh Récupérer bah une aussi. holobande, terminer une opération quotidienne, mais on va se faire démonter à tous les trois. Tuer des taupes minières. Visiter l'abri d'un autre joueur. Ok, bon, bah on va voir. Nous on te suit hein, tu sais, c'est toi le guide hein. Très bien. Alors, bah tiens, Qu'est-ce il y a que le camp de quelqu'un par ici. On va aller voir s'il a un abri. Un camp incroyable. Salut Scotty, ça va et toi? Bonne année. Bonne année, Scotty. Bonne année! Comment ça va, Scotty? On y va à pied? Oh, Oh, quel bah, talent. c'est pas loin! Non, non, mais oui, c'est vrai que tu veux pas payer, j'oublie à chaque fois. Non, mais on peut payer, mais qu'est-ce que c'est que cette chaise électrique là au milieu de. C'est sympa.
de nulle part. Je n'irais pas dire que c'est jusqu'à dire que c'est sympa, mais ouais, c'est folklorique en tout cas. Mais ouais, je l'avais jamais vu, j'ai l'impression, pourtant je suis à côté. C'est à côté de chez toi, hein, ouais. C'est ton voisin. Hein. Après, il est calme, quoi. Mais... Alors, est-ce que je suis un petit peu plus par là, le camp? Hop, je sais pas s'il faut monter ou descendre, on va voir. Moi, je suis monté. Hein. T'es monté? Bah, moi, je suis descendu. Je couvre d'en haut, moi. D'accord. Je suis Sandra. Vraiment, c'est Alors, ouais, ça se trouve, faut monter, on va voir. Ah, voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. J'ai failli attendre. Non, bah voyons. Alors, il est où son camp? En tout cas, j'espère qu'il a un abri, que ça nous donne un peu de points de score. Ah, il est là. Oh! En plus, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? De l'engrais turbo-fertile. Eh bah voilà, je chope plus des graines, là. Je lui prends de l'engrais. Envie de les graines comme ça tu vois. Oh là là, mais il a un trop beau camp. Oh là là, puis il a déjà vachement avancé dans le tableau, il a la machine à bulles, elle est presque à la fin. Très, très statue joli. Et tout. Oh, c'est chouette. Bonjour. Bonjour, bonjour. Sapin de Noël. Ah, en plus c'est un pro enclave. Le trône de l'homme phalène surtout. Ah, le trône de l'homme phalène. Des très belles choses. Ah bah direct ça s'assoit quoi. C'est pas chez toi hein, mais Ça claque. Très beau camp, cher voisin. Cher voisin. En haut, bah, c'est pas encore aménagé, ça viendra. Ah oui, effectivement. En pleine construction. En pleine construction, exactement. Clara est un peu floue. Bah là... Ah oui, mais je crois que c'est ma caméra, des fois elle fait ça. Ah. Oh. Moi je la vois bien, alors je ne sais pas. Alors est-ce qu'il a un abri, là, entrée dans la salle de maintenance de l'abri, là, sur le côté. Sur le côté à gauche? Là, à côté du centatron. À droite, quand tu regardes devant. Ok, ah oui. Ah oui, je vois. Okay. Là, il a son entrée, donc on va aller visiter. Je ne sais pas s'il l'a... C'est bien caché, on dirait sa cave, limite. Ah, un petit peu de point de score, très bien. T'as un nouveau camp, Cyber? Bah viens. Viens me montrer ton camp. Oh! Oh! Ça fait giga peur! C'est quoi ce mad scientist là? En fait, en haut tout est mignon et en bas tout est méga chelou! Ah, le musée des horreurs quoi! Ah, c'est trop bien! Ah, le tapis il est très, très folklore aussi! Hein. Ah oui, je l'ai ce tapis! Mais j'ai trouvé qu'il faisait pas super chez moi! Comme quoi, tout est question d'ambiance! Hein. Ah là là, puis le fight avec le gorille là! Ouais! Ah bah tiens, je vais faire un peu de muscu pour gagner un peu de force! Ah, moi je l'ai fait chez toi! Tu as fait chez moi, très bien. Si vous voyez le punching ball, vous pouvez faire un peu de punching ball, ça vous fait gagner de la J. Effectivement. Je sais pas s'il l'a mis ou pas. Ouais, je suis en train d'en faire. Là. Voilà. Moi, je fais un jeu là avec une mitraillette, incroyable. Ah, Denetros, c'est pas ton ami, les gens qui aiment l'enclave. Si tu me dis ad victoriam, tu es banni de la chaîne, Denetros. Ah, c'est une dictature quoi. Non, mais déjà que je ne les portais pas dans mon cœur, à la confrérie, Chevalier Chine, il a vraiment tout... Il a tout ruiné, quoi. Ouais. Ah, c'est ce que tu allais dire, Ad Victoriam. Évidemment. Évidemment. Mais il est très, très joli, ce camp. C'est Ouais. Bah oui, le Chevalier Chine, personne l'aime. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment pas notre ami. À la fin, bah, j'imagine, je vous fais pas de spoil quand même, un an après, j'imagine que vous avez fini la quête de la confrérie de l'acier, mais quand il faut quand même choisir un petit peu entre Chine et Ramani, bon, aïe, aïe, aïe. Mon choix n'a pas été difficile à faire. Mais en revanche, il y a quelqu'un que tout le monde aime. C'est... comment elle s'appelle? La scribe, Valdès. Ah oui. J'ai vraiment l'impression que tout le monde aime Valdès. Incroyable. Ah, il y a un truc derrière la porte, là? Ouais, il y a un truc, ouais.
Un musée des horreurs ou... Bon, tranquille. C'est un placard à balai. Non, par contre, il y a une mini-horreur derrière cette porte-là. Là. Ok, ouais, derrière celle-là. Ouais. Oh non, la peluche là. Trop mignon. Ah, puis il a son petit lit, là, façon verrière. Non, bravo. Oh quoi? Il y a une pièce secrète. Ah là, mais oui, avec l'entrée de la... Mais c'est pour sortir, ça dégoûte. Ah bah oui. La poubelle en plus. Super. Ah non, c'est pour aller dans l'abri. C'est pour aller dans l'abri. Bon, là, c'est... Voilà, il n'y a pas encore... On peut pas aller, c'est immense. On peut pas tout aménager d'un coup. Là, bien sûr, ça prend du temps. Surtout s'il a encore son étage à faire à l'extérieur, tout de même. C'est déjà hyper bien, moi. Il a toute mon admiration, quoi. Moi qui suis pas capable d'aménager quoi que ce soit. Tu as tué Ramani et t'as mangé les scientifiques. Ah là là, j'ai hésité, je savais pas. J'ai mangé. Je ne savais pas trop comment agir avec les scientifiques, j'avoue, parce que c'était quand même un peu limite, quoi, tout ce qu'ils ont fait. Mais je les ai, j'ai épargné les scientifiques dans ma grande bonté. Bon, moi je suis sortie, très bien, très joli camp. Ouais, j'ai vu, du coup, tu disais à Marie que Cyber, il attendait pour rejoindre notre monde. Bah, que n'hésitez pas, en tout cas, s'il y arrive. Alors, est-ce qu'on a un événement ou un petit truc quelconque qui serait en cours et qui se déclencherait? Pas pour l'instant, j'ai l'impression. Ruée vers l'or. Ah non, mais faut courir dans la mine. Ah non, il y a de la radiation. Au secours. Il y a de la radiation. Vous voyez ton personnage, Geoffrey, comment il tient l'arc. Il est vraiment... Enfin, il a une dégaine. Qu'est-ce qu'il a, mon personnage? Il tient l'arc, il a l'air tout crispé. C'est... Bah, c'est l'école d'archerie des Appalaches hein, qui m'a appris, donc je... c'est ça. Alors écoutez, bon, on va faire. J'ai ma flèche d'or, hein, donc je te prierai de respecter un peu. On va aller à Fondation rapidement pour activer une petite quête. Voilà. Et ce que tu. Ah bah oui, tu veux des infos sur Ghostwire? Bah écoute, bientôt, t'as loupé. Enfin, t'as loupé, tu l'as vu sur Twitter, je suis sûre. Le super art qu'a dessiné Tango Gameworks pour souhaiter bonne année 2022 à tous les joueurs et tous les fans de Bethesda. Qui est vraiment, vraiment trop trop beau. Ghostwire sera-t-il dispo sur le Game Pass? Alors Ghostwire, c'est une exclusivité PlayStation 5. Ouais. Voilà. Donc c'est un jeu PlayStation 5 qui sortira aussi sur PC. Ça je ne pense pas que ça sortira sur le Game Pass, en tout cas pas Day One. Arrête Ward, vas-y balance. Il y a un Minerva à Fondation, mais moi j'ai rien à acheter à Minerva. Ah bah vas-y, on va aller chercher ce qui te manque. Alors, l'objet de fondation, où est-il? Ah, là-bas. Allez, je me téléporte, vous pouvez me rejoindre. Terrible, moi je suis dans un chargement pour te rejoindre. Ah! Misère. Oh, ça va le faire. ça va le faire. Il va suivre. Bah, j'espère, je ne sais pas. On va voir. Alors, je vous attends. Je pense que je l'ai fait au moment où tu t'es téléporté, et du coup, il a pas apprécié. Ah bah oui, là, il s'est perdu, quoi. Il s'est perdu. Alors, l'objet de fondation... Du coup, on fait quoi comme quête, là? Là, on fait l'importance de la communication. Non, pas du tout. On fait équipement vital. Ok.
Ah ben Ward, il est pas malin, hein, il perd tout le temps des objets. C'est le pauvre. Ouais, bah oui. Le mec, faut pas lui prêter un truc parce que tu le revois jamais, quoi. Aïe. Il va dire qu'il envoie des gens le chercher pour toi, quoi. Ouais, ou il dit qu'il le met en sécurité et en fait, pas du tout, quoi. Bien sûr. Alors Geoffrey, du coup, ça t'a déconnecté? Ouais, je suis revenu, j'arrive. Ok. Alors j'avance tout doucement, voir si on commence à entendre un peu plus. Ah oh, bah oui, t'as soif, mais bon. On boit pas dans les Appalaches. On attend qu'il pleuve, c'est tout. Ah, le voilà, il est où? Il est connecté. J'arrive. Très bien. Je te rejoins, j'arrive. Ouais, je rapide. J'avance doucement. C'est parti, très bien. Là-bas, il y a des flotteurs. Je vous retrouverai, t'inquiète. Mais les flotteurs, du coup, pour toi, encore, c'est pas exceptionnel, si? C'est pas exceptionnel? C'est-à-dire? Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu risqué, non? Ouais, moi, j'ai peur de rien. Très bien. Je vois les explosions au loin. Voilà, c'est bon, tu nous as retrouvés. Bien sûr. Il y a Clara qui défonce tout, quoi. J'entends des petites flèches... C'est très important. J'ai un rôle support, moi, tu sais, c'est pour faire peur à l'ennemi. Hein. C'est plus psychologique. Alors, non, mais on n'est plus du tout dans le cercle pour trouver l'objet de Ward. Attendez, on y retourne. Je ne sais pas si ça met la quête pour vous aussi, mais en tout cas, il faut activer la radio de fondation pour essayer d'entendre le signal. Ah, puissance du pistage du signal. 7%. Optionnel, persuader le voleur de payer pour l'objet. Bien sûr que je vais te persuader de payer pour l'objet. Sur son corps refroidi. Mais bien sûr. Bien sûr. Il va payer et en plus il va me donner l'objet. Ouais, y a... Bah, ok. Voilà, très bien. Sandra, simple et efficace. Ah ouais, non mais ça va très vite. Hein. 63%. Ah non, ça baisse par là, attendez, peut-être par là. Ah bah tiens, j'avais un endroit que j'avais jamais découvert. Il y a du monde à notre gauche, je crois. 80%. Dans la ville, là, il y a du monde, je pense. Dans la ville, il y a du monde ? Bah, on va se faire plaisir. Oui, 91%, où est-il ? Allô ? Bah, faut pas tuer le mec qui a l'objet, hein. Ah bon ? Faut qu'il paye d'abord. Faut qu'il paye, bien sûr. Il y a des trucs là dans le hangar. Ah, bonjour. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le tuez pas ! Bah, je lui laisse juste un point de vie, moi je suis un gars. Ah ! J'ai cru que t'allais le tuer. Non. Ah non, c'est pas lui. Lui, on peut le tuer, je pense. Ah non, mais. C'est lui là-bas. Aïe aïe aïe. Oh là, tu as fait tellement mal. Non mais... C'est lui là, il a une petite icône. Mais il veut pas me parler. Ah. Peut-être parce qu'il y a encore des ennemis autour. Certainement, ouais. Je crois qu'il y en a un par là. J'ai cru voir quelqu'un. Ouais, là. C'est bon. Voilà. Clac. Tiens, paye. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur vous? Oui, il me tire dessus, ouais. Bah, je crois que comme Geoffrey l'a attaqué, ouais. Bon, bah, tiens. Très bien. Oh là là, ça s'est vite réglé ce problème. Bah, oui, non, mais au bout d'un moment, il faut régler les choses, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais frapper d'abord et poser des questions ensuite, quoi. Toujours.
Bien sûr. Est-ce qu'on a des petites babioles à récupérer sur les corps? Bonjour Elka. J'ai le cratère, à chaque fois je pourrais que le monde me dise pour faire mission. Alors, comment ça tu... Oui, au cratère, oui, pour Roxy ou je sais plus qui veut aussi qu'on aille récupérer des choses. Ben, moi, ça fonctionne. Enfin, je ne l'ai pas fait là récemment, mais en principe, j'ai pas de soucis. Bon, je retourne à Fondation, messieurs, dames, pour aller... Oh, il y a une armure ici. Bah, prends. Moi, j'ai pas la place. J'ai pas la place. Avec mon arc, moi, j'ai besoin d'être extrêmement discret. Ah bah oui. On peut pas tout avoir. Hein. Ah, on a la classe ou on l'a pas, et clairement, on a plus la classe avec une armure avec un arc qu'avec une armure. Quoi. Ah bah oui, surtout dans les Appalaches, c'est la base. Bah évidemment. Tout le monde tire à l'arc et... évidemment, c'est la méta. La méta archer. Écoute, ça va très bien, Alk, merci. Et toi? Eh oui, j'ai dû tuer pour avoir ça, pour récupérer vos babioles, Ward. Ah oui, très bien, bien sûr. Ah, mais voilà, si ton pistolet parle plus vite que toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sûrement des babioles à recycler. Bien sûr, comme souvent. Toutou. Est-ce qu'il y a une petite scène de concert ici aussi comme Bien sûr, là-bas. Ah, je la vois très bien. Tu la vois? Bah oui, là où t'es. Bah oui. Moi, là, on peut faire un petit concert. Tu veux jouer du banjo? Ah, moi, je fais toujours du banjo. Ah non, mais il n'y a pas de batterie ici. C'est une petite scène. Hein. Et bonsoir, Dark Gaming. Non, mais moi, je faisais ça en attendant que tu trouves que... On s'occupe. On s'occupe, nous, hein. Mais écoute, oui, on fait ça, on fait un stream tous les mardis sur un jeu différent en fonction de l'actualité de nos jeux. Donc voilà, bah là on reprend doucement l'année, mais tous les mardis à 18h, on stream sur un de nos jeux pendant à peu près une heure et demie. Donc voilà, n'hésite pas à nous suivre, en tout cas... Si ça te plaît, on joue à tout. La dernière fois en décembre, je sais plus, je crois que j'avais rejoué à Evil Within justement, ouais. puisque le studio Tango sort un prochain jeu au printemps. Je me suis téléportée, si vous voulez vous téléporter. Ah, très bien. on fait pas mal de Elder Scrolls Online aussi avec Geoffrey. Donc voilà, un peu tous les jeux. Dès qu'il y a de l'actu, dès qu'il y a quelque chose, on essaye d'en profiter pour vous le montrer et puis discuter avec vous, répondre à vos questions. Là, on est sur Fallout, mais si vous avez des questions sur d'autres jeux ou voilà, faut pas hésiter, c'est le moment. C'est ça. Oula, mince. Attendez, voilà, je suis mort. Vas-y, j'ai rêvassé. Tu peux t'en occuper, Clara, y a pas de souci. Tu veux pas essayer de tirer une flèche ou deux? Non mais je tiens. Ah d'accord. C'est juste que je vise à côté mais... C'est bon, on va la voir. Oui. Non mais Sandra aussi, te mets pas entre moi et Magic. Je t'en supplie. Oh, il a des flèches. Ah, bah bien sûr, j'en ai vidé 50 sur la tête. J'ose espérer qu'il a des flèches. Il y a des gros joueurs Fallout 76 sur PS4. T'en trouveras. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est que là, tu vois, en bas de l'écran, t'as le nom de notre Discord, Bethesda.fr. Donc vraiment, n'hésite pas à venir sur Discord, puisque bah, les gens sont tagués et tu verras qui joue sur PlayStation, si toi, t'es plutôt joueur PlayStation, et pour trouver des gens. C'est vraiment, vraiment un bon moyen. Nous, c'est vrai qu'on est, sur PC. Il y a de temps en temps des membres de la communauté qui nous rejoignent en live.
mais je n'ai pas de perso sur PlayStation, donc du coup... Merci bien. Ouais, j'ai vu que t'étais un peu embêté. Oui, légèrement. Alors, on a une petite quête aussi en haut, si vous venez à l'extérieur. Allons-y. Où il faut aller récupérer les réacteurs Red Rocket, donc il faut tuer les... C'est pas des centatrons, mais c'est des troncs. Des troncs. Les robots. Bien sûr. Là, j'en entends un. Là, par là. Ah oui. Il y en a un derrière nous aussi. Ah bah voilà, ah voilà, je ne sais plus où aller. Bah je m'occupe de celui d'en bas, moi. Hop là, voilà. Hop, un réacteur. Bah il a des flèches aussi. Évidemment qu'il y a des flèches. C'est toute la beauté du gameplay arc. Clac. La violence. Quelle violence, vraiment. Ah bah oui, Geoffrey, s'il a pas son toom, il sait plus quoi faire. Ah bah oui, non, moi, c'est terrible. Hein. Typhus Roda sur le coup, là, moi, c'est ce que j'attends, en fait. Hein. Et voilà, on va pouvoir... Moi, j'ai les trois réacteurs Red Rocket. On va pouvoir aller les ramener. Let's go. Touk. C'est par où? C'est bien par là? Ouais. Quel niveau tu es sur PS4? Qui est-ce qui demandait? Il y en a un qui est niveau 258, les deux 268. Ouais. C'est très proche tous les deux. Oh, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Ouais. Alors attention, parce que là, il y a quelquefois des robots qui traînaillent. Hein. Donc moi, je longe les murs. Oh là là, alors que tu peux leur casser la vitre sans souci, quoi. Quoi, Kim, s'il n'y a toujours pas le camion Nuka-Cola sur le store? je sais que je me rends pas compte de la gravité de cette chose. Mais... mais oui, je comprends. Tu fais grève de la faim. Mais oui, je sais. En discute souvent avec nos collègues pour essayer de savoir comment faire pour avoir plus de produits qui sont disponibles sur le store US. Ah bah, je connais déjà la recette. Pour les avoir aussi sur la boutique européenne, quoi, pour pas que vous ayez à payer des frais grève justifiée. Ça y est, il y a une grande rébellion. donc je comprends. Pour l'instant, malheureusement, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Mais bientôt, j'espère. Alors, pas de petits événements, ça c'est quoi ça? Ah ouais, la parade des robots. Bon, on va faire un petit... On va essayer de faire des défis quand même. Bien sûr. Gagner un niveau... Bon, planter une culture. Récupérer une holobande audio. Il doit bien y avoir une holobande qui traîne quelque part ici. Les opérations quotidiennes, ça va être chaud. Et les taupes minières... Ah, mais les taupes minières, elles sont... par là, il doit y avoir des taupes minières pas loin. Je me téléporte. Ok, on arrive. Et en tout cas, ouais, n'hésitez pas. C'est voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rencontrées, qui ont échangé leur pseudo, voilà, pendant nos lives. Et si c'est pas ici, bah, vous pouvez aller sur Discord. Donc vraiment profitez de ça. Si vous cherchez des gens avec qui jouer, c'est le moment. On a loupé le message de Hardy Tree. Je me trompe en plus. Bonjour et bienvenue sur la prochaine extension de Fallout 76.
La prochaine extension, je me suis trompée, donc je me re-téléporte. La prochaine extension de Fallout 76, je pense que tu parles peut-être de The Pit, qu'on avait teasé au dernier E3. Si c'est ça, pour l'instant... vous entendez mal Clara. Peut-être qu'elle est un peu loin, ou que son micro est un peu bas. Je rapproche mon micro. Moi, je l'entends bien, donc voilà. Pareil. Ouais, mais c'est Kims, vous savez, il vieillit, alors bon. C'est vrai. Mais donc, pour si c'est The Pit que tu parles, je n'ai pas en tout cas de nouvelles infos à communiquer pour l'instant. On espère pouvoir vous en donner dès que possible, en tout cas. Donc voilà. Bientôt 29 ans, Kims. Ça ne m'intéresse pas. Oh, quel jeu. Oh, c'est encore plus violent qu'un coup de marteau, quoi. C'est terrible. Jeunesse là. Qu'est-ce qui explose là? Faut arrêter d'exploser, je vous en supplie. Dans la tronche, là, depuis nous on veut juste looter en paix. Oh mince. Très mal élevé. Alors, il est où le coffre-fort? Il est là. Un message sur le coffre-fort. Les gnomes ont la clé. Oui, mais moi, je ne prends pas la clé. Bon, il n'y avait que trois taupes, là. Bah, écoute, je pense qu'elles ont toutes été... balayées par celle qui avait le lance-missile, là. Elle a tué tous ses potes. Bon, continuez à chercher des taupes. 40 ans, c'est le meilleur âge. Oula, mais attention, tu donnes des indices, attention. Non mais où est-ce qu'on va normalement parce qu'il y a un événement là. Ah mais tu vois Hippocrate, moi je suis d'accord. Dites-moi où je vais trouver les taupes minières. Vous les taupes. Il y a Projet Paradis, mais j'ai peur que vous. On va survivre, t'inquiète. Non, bah, niveau. Non, mais si je suis toute seule, ça va être. 40 ans, ça n'est pas du tout l'âge des vers progressifs. j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va à Arcos Pharma pour Projet Paradis, parce que toute seule, je sais que je vais pas y arriver, et j'ai peur que vous mouriez en boucle pour rien. Mais non, mais faut avoir confiance en toi, Sandra, t'inquiète. Bien sûr. Mais bien sûr. Sinon, dites en bas à droite, il y a des taupes. Non, mais je vais pas aller là, en bas à droite, dans la zone irradiée. Mais je suis pas folle, c'est pas ici que je suis d'habitude, quand y a, là où il y a plein de taupes et où il y a des ateliers, etc. En bas à gauche. Ah, bah, il y a quelqu'un à Arcos Pharma. Allez, on y va. Bah let's go. On va voir. Let's go, on y croit, niveau 50 recommandé. Bien c'est sûr. Parfait. Bah je suis pas loin, hein. Plus que deux niveaux et j'y suis. Hein. Bah ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais, je faut aller. Ah mon dieu, on n'a pas le temps d'arriver que les monstres sont là. Alors attendez, moi que je mets... Mais pousse-toi. Je voudrais bien me pousser, mais en fait on est coincé. Vous êtes coincé, ouais. Ben assis debout, essayez de faire, de sauter, de partir revenir. voilà. Où êtes-vous? J'essaie de venir vous voir, mais je ne vous... Ah, vous êtes coincé dans on, le. On est là-dedans, ça va. Bah oui. Ça ne va pas. Attends, on va TP. Qui c'est qui est là? Oula mince. Je re-TP au même endroit en même temps. Bah vas-y commence si tu veux. Okay. Moi je vais rester là, je vais choper toute l'XP. Voilà, très bien. Ça c'est un bon plan. Je reviendrai quand tout le monde est mort. Initialiser l'expérience. Non mais faut qu'on initialise l'expérience, mon ami. Qui c'est qui est là?
appelle ça la presbytie chez les jeunes. Ah mais moi je ne suis absolument pas presbyte. Je suis désolé. Ah, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est la même chose. D'accord. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Attends, je vais essayer aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, j'aimerais bien te savoir. Est-ce que vous pouvez pas... Non mais je veux pas aller... Je fais jamais cet événement. Comment je descends? Ah, Cyber, attends. Ah ben j'ai pas de... Je ne peux pas t'inviter dans mon équipe, Cyber. Va savoir pourquoi. T'es bien beau, t'as la plus belle tenue. Il est pas bloqué, lui. Pourquoi il y a que nous? Je sais pas du tout. Est-ce que vous êtes trop bas niveau? Non, mais ça me paraît très bizarre. Bah ouais, attends, je vais essayer de faire un voyage rapide. Heureusement que vous avez pas notre POV, hein. J'arrive pas à me TP en plus. Ah bon? Très étrange. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment encore dans le jeu? Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Ah mince! Le Lazerotron! Bien sûr. Bah bon courage, hein. Moi, voilà! Salut! Ça va bien se passer pour vous? Je croise les doigts. Alors, remplir les mangeoires. Ok, remplir les mangeoires. Blue Cactus a quitté votre équipe. Très bien, merci Blue Cactus. Meilleur team player. Est-ce que ouais, non, je ne peux pas non plus. Bloqué, donc je pense que je vais devoir faire comme toi, Geoffrey. Bah bien sûr. C'est parti. Ouais, je cours. Oh non, mais je suis morte. Mais non. Mais si, attention Cyber. Mais non. Ouais, merci. Oui, il y a un cerf à double tête. Parce qu'il faut remplir la mangeoire. Ah oui, il faut remplir la mangeoire, bien sûr. Oh, les belles bêtes. Ah, mais c'est parce que j'étais en surcharge à côté. Bien sûr. Ouf. Je peux... Puis j'ai beaucoup trop de steampack sur moi. Alors attendez. Là, rejoindre. Oui, bien sûr. Je rejoins le jeu, j'arrive dans une zone complètement atomisée. Super. C'est... Ah mince. Mais si, Cyber, il est beau dans sa tenue, il a la même que moi. Donc je peux bien lui dire. Non, bah là, les ours et compagnie, là. Il y a Ougouai. Hop. Voyage rapide. Est-ce que oui, ça... Ça se débloque ou pas? Ça arrive. Ok. Ah, mince. Beaucoup trop de Yaoguai. Après, je sais pas, peut-être que... Non, mais ça me paraît très bizarre. Je pense que vous pouvez quand même venir, même si c'est compliqué. C'est pas parce qu'on dit niveau 50 recommandé que vous êtes automatiquement bloqué, je pense pas. Non, normalement, on peut venir, mais c'est juste... Je sais pas. On a spawn un endroit un peu bizarre. Ouais. Je pense qu'il faut que je regarde ton équipe pour... Oh, mince. Ah oui, pardon. En plus, je regarde tout à côté. Hop. Merci bien. Hop. Est-ce que... pardon. Je faisais autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé une invitation d'équipe aussi à CyberCoffee. Pourquoi pas. Ah non, c'est toi qui l'as fait... C'est moi, ouais. Non, okay. Bah oui, j'ai plein d'amis. Bah attends, je joue pas.
Garonne l'a eu aussi, le bug. Voilà, le tube. Clairement coincé dans un tube. Ah, ok, d'accord. Faut se TP sur l'event, ok. Bah, c'est bon à savoir, en tout cas. Ouais, merci. Et ça fonctionne. Waouh, vous allez pouvoir taper sur, sur les derniers monstres qui arrivent, sur le chef de meute. Ah, très bien. Oula. Prédateur dominant en approche. Je suis pas sûre d'être contente d'être sortie. Heureusement que je suis là, quoi. Oula. Ah, le chip squash. Ah, la vache. Ah, c'est ce truc-là qu'il faut taper. 3 étoiles. Oh, là, je suis morte. Ouais, allez-y, tapez. Ah, moi, je suis sur Yoga et moi. Ah, Yaouai. Elle a déjà plus de munitions. Ah, bah voilà. Ça part vite. Cette chanson me faisait toujours. Oh là là. Bon, je vais vous rejoindre. Hop là. Expérience terminée, bravo! Bravo! Est-ce que c'est là qu'on était? Est-ce qu'il y a des babioles à récupérer? Il y a une arbalète sur son corps, Geoffrey. Incroyable! Ah! Il est où? Très très fan! Très très fan! Bah après, ça va être niveau 1000. Oui, sûrement. Ah là là, ça y est! Moi, trop lourd! J'avais une mitraillette, moi j'avais pas la. Attends, il y a un truc pour recycler par ici. Un petit établi, s'il vous plaît, messieurs, dames. Là. Qu'est-ce que c'est qui pèse lourd? Ah, où j'ai dû récupérer des armes et des trucs. Non mais ça, j'en veux pas, quoi. Terrible. Qu'est-ce que tu fais, Geoffrey? T'es en train d'attaquer un mec niveau 102. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas de l'ours, là. Moi, ok. Je ne suis qu'à servir, qu'à aider, bien sûr. Ce n'est vraiment pas du tout ma faute. Très bien, très bien. Oh là là, qu'est-ce que... Tac, tac. Ah, mais j'ai encore un cadeau de défaite, dites voir. Bravo. Que j'avais pas ouvert. La mitraille. Et qu'est-ce que... la viande avariée, là. Hop. Parfait. Je regarde ça tout de suite après, Nucaron, pas de soucis, t'es sur PC? Si t'es sur PC, tu es le bienvenu pour streamer avec nous, sans problème. Donc, j'en étais où? J'en étais à mes défis. J'ai vraiment rien foutu, quoi. Terminer un défi quotidien, faut encore qu'on tue 7 taupes minières. Il nous reste une demi-heure pour trouver 7 taupes minières. On va les trouver. Et récupérer une holobande. Non, mais il doit bien y avoir une holobande ici. Ah, moi, j'en ai trouvé une tout à l'heure. Ah. Non, mais là, je suis sûr que dans ce genre d'endroit, il y a bien des scientifiques qui ont laissé traîner une holobande, quelque chose. Oui. Aucun doute. Aucun doute. En bas à gauche. À Welsh, en bas à gauche. En bas à gauche, à quel point? C'est douloureux. À Welsh? Bon ben je vais à Welsh alors. Ouais, on arrive. On se bat contre un ours, hein, on arrive. Très bien, merci Cyber, on arrive. Moi je me téléporte, c'est bon. Aïe. Aïe, j'entends des petits aïe. Ouais, non, mais il y a un ours niveau 60 là qui nous. Destiné de nous embêter. On va l'avoir. C'est bon. Voilà. Bravo. Alors. Super. Et eh bien, mon grand-père aussi, il était mineur, Nucaron.
Je croyais que t'allais dire ton grand-père aussi va gagner un niveau. Est-ce que tu es originaire de l'est de la France ou du nord? C'est mamie. Alors là, là, Pierre, on se perd ici. Ah, une taupe minière. Clé de mineur. Non, et oh. Tiens, oh, donne les caps. Elle est où? Elle est où la taupe? Ah, là-bas, une belle. Une belle? Ouais, une qui brille. Une qui brille, bien sûr. Oh, les mères découvées, là. Hein? Oh, les mères de couvées, là. Ouais. Est-ce qu'on en a encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore une ou deux taupes qui traînent quelque part? Oh si, bien sûr. Une cachée. Une cachée. Parce que je crois que... Qu'est-ce que j'ai à débloquer? Mais j'aurai jamais tous les points du jour là pour débloquer, mais... Je crois que je vais bientôt avoir... bien sûr, je suis pas aussi avancée que vous hein, dans le tableau de score, mais... Ah, zut. Le contremaître, il est déjà... déjà mort. C'est dé. Ah, il n'y a plus personne, quoi. Il y en a plus ? Bon, on va en chercher ailleurs. Ouais. Ah, j'entends des coups de feu par là. Non, ah. C'est moi, mais j'ai cru que Ah oui, d'accord. J'ai mis une balle au cas où, on sait jamais. Non, c'est... Non, mais vaut mieux deux fois qu'une. Voilà. Ah oui, puis on peut planter les drapeaux... enfin, les drapeaux, les cartons des manifs. Alors, ouais, qu'est-ce qui me reste? Combien j'ai? 4 taupes minières à tuer. Parce que... ah bah tiens, j'ai ça à prendre. Après, je débloque Catherine Swan, qui est une nouvelle alliée. Je crois qu'elle est cosmonaute. Voilà, donc j'aimerais bien au moins... Voyage rapide vers Cyber. Ok. Entendu, chef. Je suis plus loin que toi dans le tableau. Non, c'est pas possible, Kims. Moi, je suis vraiment trop lente parce que comme je joue souvent sans faire attention au score, astronome, voilà, pardon, sans faire attention au score, je fais plein de trucs sauf du score, quoi. Et du coup, j'avance pas du tout. Ah. Alors, un. Oui, mais voilà, c'est ici que je pensais à Blackwater, c'est pas possible. Ah, la tuez pas, elle est à moi. Tiens. Oh, tu m'inquiètes avec ta vie, Sandra, hein, tu sais. Hein. Hein? Mais non. Mais faut pas que j'ai beaucoup de vie pour pouvoir taper ah plus ouais, fort. Ça m'inquiète. Mais non, faut pas... Regardez, vous avez une petite armure assistée par ici. Ah, ça ne correspond pas à mon playstyle, à mon build. Je suis désolé. Vas-y là. Mine de Blackwater. Allez, go la mine. Eh ben merci d'être passé, Nucaron. À très très bientôt, à mardi prochain. On est là tous les mardis, donc bonne soirée. Encore bonne année, puis à très très bientôt. Bonne soirée. Ah, il y a une holobande là, Sandra. Ah, j'arrive. Oh. Attends. Parce que là, lui, il va tuer toutes mes taupes minières.
vraiment la recherche de la taupe, quoi. Ah ouais, la recherche de la taupe absolue, quoi. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai tué toutes les taupes. Bravo. Loloband, maintenant. Elle était à l'entrée. Ouais, le bureau à gauche de l'entrée, ouais. Je cours. Bien sûr. Elle est où? Ah, là. Hop, ça c'est fait. Oh, ça y est, ça monte. Ah non, il manque encore un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il me reste à faire... planter des trucs à mon atelier. Les opérations quotidiennes, j'ai peur qu'on galère là. Vous voulez tenter une opération quotidienne? Ah, c'est surtout une question de temps en fait, c'est ça qui me fait peur. Non, mais là on a le temps de faire l'opération quotidienne. On peut, hein. Faut juste que toi tu... Enfin, faut que toi et Cyber, vous puissiez un peu carry, quoi, on va pas se mentir. Oui, voilà. Ça va être drôle. On va en opération quotidienne, Cyber? Ah bah ça y est, il y est. D'abord. Allons-y. Bah, let's go, hein. Hop. J'en ai fait ce matin où on était deux. C'est vrai qu'on a galéré. Oh, regardez mon nouveau screenshot épouvantail. Il est très mignon. Je l'adore trop. J'ai fait les opérations quotidiennes ce matin. Parce qu'au réveil, une petite opé quotidienne, c'est toujours sympa. Mais ouais, c'est vrai qu'on était deux et on a quand même pas mal galéré. Bien sûr. Ok. Allez, c'est bon les gâteaux. Ouais, il y a du monde. Ah. Ouais, niveau 50 lui. Je lui fais énormément de dégâts. Ah. Ah mon dieu, mais je sens que je vais être beaucoup trop lourde en sortant de cette quête. Donc je vais plus pouvoir marcher. Très bien. Voilà, nous on est distrait avec... Non mais c'est bien, il faut. Puis. Hop, on amplifie l'autre signal, merci Cyber. Ouais, il est si fort. Mais qu'est-ce que tu crois là, caché derrière ton petit... Ah mince, je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Ah si, c'est bon. Oui, oui, oui. Allez-vous-en, monsieur. Il faut venir vers nous, comme ça augmente la vitesse du signal. On arrive. Très bien. Parfait. Sécurisez le site alpha. Allez-y Geoffrey, sécurisez le site alpha. Bien sûr, je sécurise. Je suis sécurisateur de métier. De formation. Donc pas de soucis pour ça. Ah là là, comme elle y va, quoi, Clara. Mais je sens que je vais le regretter rapidement, là. Mais non. Voilà, c'est moi qui l'ai tué. Bien joué. Pas du tout. Oula. Que Dieu lance. Alors attends, explorateur, je regarde. Dès qu'on a fini ça, je reprends ta question pour essayer de comprendre et voir dans la boutique. Alors, je t'avoue que ça, la boutique, en plus, c'est mis à jour directement par le studio. Donc je n'ai pas forcément toutes les infos, mais ça ne m'empêchera pas de me renseigner s'il y a besoin. Yes, Sam, a blood build. Mêlée.
Tac, 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 tac. Où va-t-on? Ah non, ça ne s'ouvre pas cette porte, bah voyons. Ah non, on a perdu son bras. Non, non, mais j'arrive, j'arrive, je cours, je cours. Tiens. Oui, bah je ne suis pas vraiment à côté, j'arrive. Oh la classe, et cyber, quelle arme, incroyable. Très très jolie. En plus, comme ça vous fait revisiter les lieux que vous n'avez pas pu très bien voir tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est très joli en tout cas, on dirait un grand jardin. Ah bah oui. Avec des mutants et. Des... Oui, bien sûr, c'est le folklore ça. C'est le folklore ça. Karel s'est dit, mais où je suis tombée? Il trouve ça joli, le truc. C'est complètement irradié. C'est sublime, personnellement, moi j'adore, vraiment je. C'est hyper dangereux. Après, c'est peut-être les radiations qui me font un peu délirer, mais en tout cas, là, tout de suite, j'aime beaucoup. Bah moi je trouve ça très très beau. Ah, voilà. Où est-ce qu'il y a des petits ennemis? Vous avez l'air d'avoir trouvé quelque chose, c'est très bien. Ouais, on tient. Ça vous prend 30 secondes pour tuer un ennemi, mais on s'en sort. Oh là là. Oups là, j'ai failli t'attaquer. J'ai vu quelqu'un arriver dans mon écran, paf. Moi? Ouais. Non. Mais non, tu voudrais pas me faire ça, Sandra, quand même. Ah bah là j'étais, je sais pas, j'étais Ah, lancée. t'étais prête, quoi. Ah, ah, je me sens mal, je me sens défaillir. Je me sens défaillir. Ouais. Localiser le groupe ennemi. Le Alors, groupe par ennemi, où? bien Par sûr. là-haut. Par là-haut. Là où Cyber il est allé. Bien sûr. Ah, mais comment tu grimpes, t'es la lapin, Ah! toi? Ah mince, il ne veut pas sauter par-dessus la barrière. Eh ben ok, on va défourailler. Hop. Oh, puis ils sont trop mignons, ils meurent avec des petits feux d'artifice. C'est vrai. Ah, si beau le prioritaire. Oui, Ad Victoriam, tu vas être fier. Voilà, c'est quoi cette arme? Ah, bah là, c'est. Derrière toi, Clara, par contre, ouais, non, bah, il va. Il y va, il y va, il y va. On n'est pas des cibles prioritaires pour eux, j'ai Non, l'impression. Ah, complètement, hein. Complètement. qui vous ignore? L'ennemi vous Ah, ignore? complètement. Et il nous est passé devant à Non. côté, comme ça, tranquillement et tout, sans le moindre souci. Voilà. Non, la bombe. Non, non. Oh là là, puis régénération, on va jamais y arriver quoi. T'inquiète, je suis là avec mon arc. C'est vrai? Ouais, Formidable. je lui tire une flèche là, y a pas de souci là. Normalement, on l'a bientôt d'après mes Non, estimations. on l'aura jamais, il se régénère à l'infini, je vais mourir. Te dis, je suis là avec mon arc, t'inquiète pas. Faut taper que sur le chef. Ouais, bah t'inquiète, hein, je fais que ça. Hein. Toutes mes flèches là, toutes mes flèches, hein, tout y passe. Hein, le carquois entier y passe là. Oui. Ah Bravo! Ah, à quelques secondes près, on était en dessous des 8 minutes.
Quel enfer. Ouais. Bah si la confrérie est fière de moi, alors. Est-ce que toi t'es fier de la confrérie? Toujours. Ah bah voilà, c'est tout ce qui importe, hein. Alors, ah Dommage. bah alors là je suis, mais alors méga lourde. Je ne peux plus bouger. Des munitions, des munitions. Des munitions, est-ce qu'on a des trucs à... Il n'y a pas un petit... petit établi par ici? Poum, poum, poum. En même temps, il va nous faire sortir. On était où? On était à à la mine. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bon, niveau paladin. Waouh, c'est Waouh! pas mal, c'est pas mal. Bah oui. Quand même. Des grenades, des capsules, insecticides, brassard gauche en métal, berserker, lance-missile, tempête de l'enfer. Magnifique nom. Tempête de l'enfer. Waouh. C'est gentil, Marie. Eh ben oui, on va pouvoir aller visiter le camp de Cyber pour finir. Faut vraiment que je vide tout ce que j'ai sur moi parce que je pense que je vais même pas pouvoir pas pouvoir me téléporter, mais voilà. Ah, tu redécouvres Skyrim, Gizmos? Bah, ça, vous êtes nombreux à avoir redécouvert Skyrim avec l'édition Anniversary qui est sortie là en fin d'année, Ah oui. qui est vraiment pleine de trésors. Il y a pas mal de contenu justement du Creation Club, donc créé par la communauté, etc., qui ont été ajoutés. Donc ouais, ça fait plaisir de voir que tu es là. Et bonsoir Seeker, bonne année. Bonne année, Tipeur. Alors. Mais qu'est-ce que j'ai de si lourd? Ah, Quake. Non, mais moi, je suis nulle à Quake. Oh mais non, dis pas Si, mais ça. si, 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 si. Rappelle-toi le live qu'on a fait pour la QuakeCon sur Quake 1. Ah oui! C'était très bien. Non, c'est vrai. Très bien. Ah. Tu en es très bien sorti. Bon, tout ça, est-ce qu'il y a un truc à côté là? Est-ce qu'il y a une gare à côté d'ici? Oui, attendez, je vais essayer d'aller jusqu'à la gare vendre. Oh, une taupe. C'est Ah quand oui, on n'en une veut taupe. pas qu'il y a des taupes, quoi. Ouais. Je vais aller jusqu'à la gare pour vendre mes trucs légendaires. Et puis je te rejoins Cyber. Tiens. Bien aimable. Notre aventure Quake 1 en live. Non, bah oui, il faudrait qu'on. Non, mais il y a tellement de jeux. En plus, chacun a ses idées. Hein. Vous imaginez bien, Geoffrey, il veut jouer à Oui. un jeu. Clara, elle veut jouer à un autre jeu. Moi, je veux jouer à un autre jeu. C'est vrai. On est assez terrible. Est-ce que tu as déjà joué à Quake, Clara? Pas que j'ai Non. regardé que des streams, mais j'ai jamais joué. Ah, voilà. Voilà, ça va nous faire une expérience. Alors. Mais non. Ça va se Voilà. passer. Et qu'est-ce que... Un peu Watox, le Slayer bientôt dans la prochaine saison de Fortnite. Là, vraiment, je ne vois pas. Je ne sais pas. J'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info non plus. Tu as peut-être une info de voilà, de je ne sais où d'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas. Mais
Là, je ne peux même pas te dire oui, non ou patience parce que je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que je vais mettre là? Qu'est-ce que tac Cette tenue du mystère déjà, hein? Vraiment, Fréduche, est-ce que tu te mettrais à Fortnite si le skin était dedans? Moi, c'est ça qui c'est la question que j'ai. Ouais, c'est vrai. Parce que techniquement, il y avait des skins Doom dans Fall Guys déjà, à un moment. Oui. C'est vrai. Et moi, j'avais joué à Fall Guys parce que je voulais voir le skin Doom. Mais ils sont trop drôles en plus. Il Ah, y en a pour tous les goûts. tu jouerais pas à Fortnite? Non, bah oui. Après, je sais pas à quel point. Je me suis téléportée jusqu'au camp de Cyber pour qu'on finisse là-dessus. Oh Bien là sûr. là, c'est trop beau. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, avec En plus, il joue pas moi. Ah le oui. collectron Et chien. ça serait marrant que ça sorte du coup quand même pour la réunion des deux mondes. Mais c'est vrai qu'après, s'il y avait quelque chose comme ça permettrait de faire connaître peut-être la licence Doom aux joueurs de Fortnite, que dans ma tête j'imagine plus jeune, mais peut-être pas forcément. Et qui connaissent peut-être pas beaucoup la licence Doom, quoi. C'est possible. Ah bah c'est magnifique, Seabird. Il s'est fait vraiment, il est d'une beauté là, sur son trône. Comment vous montez en haut? Parce que nous on est En en train de fait, se battre là. ça nous a fait spawn en bas de la montagne. Ah, Ouais, un peu moins ben, bien en plus. par où je suis arrivée moi? Je suis arrivée par, je sais pas moi, ça m'a fait spawn. On arrive, t'inquiète. Vous êtes téléporté sur le camp ou sur, Sur sur quoi toi. directement? Essayez sur le camp. On va essayer, il faut qu'on. Oula, oui, déjà on va essayer de survivre. J'ai Ogre ton skin Fortnite. Ouais, aussi. Je suis au Je suis en train d'imaginer la chose, vraiment. Ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Ouais, faut que vous vous retéléportiez sur On le va se camp. téléporter sur le camp. On est mal accueilli chez toi, Cyber, quand même, je trouve, mais j'en tiendrai pas pour Non, rigueur. vous allez voir, vous êtes très bien accueilli. Il a mis sa plus belle tenue. C'est vrai, oui, Doom Quake, c'est du pur FPS, peut-être à l'ancienne, entre guillemets. Mais après, les gens, je pense que même les jeunes joueurs, justement, peuvent se mettre au défi et venir découvrir ce genre de jeu qui est différent des Il est FPS qu'on a sublime. aujourd'hui. Il est sublime. Il est magnifique. Il est sublime, tout à fait. Alors, du coup, on te suit, Cyber, tu nous fais la Ah oui, visite? fais la visite. La tenue du majordome en plus. Bah ouais. Je me suis fait chier dessus, T'as pas terrible. froid comme ça dans les Appalaches? Ah, Bonsoir c'est bon. Artesio. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Artesio, bonne année. Bonne J'ai déjà souhaité. Ah, bah c'est bien, premier de la classe. Il se rhabille, bah ouais. Bon, Terrible. entrée nuque-à-cola, hein, ça, très Tout à bien. fait. Mais très très joli, très très bien réalisé. J'aime bien la lumière qui arrive comme ça. Voilà, on profite de la lumière partout. On sent que c'est ouvert, quoi. Ah, C'est puis très ben, on joli. a aussi le fameux tapis dont on Oui, moi aussi, je vais parlait tout à l'heure. faire un petit Ah, tour là-dedans, moi. vous allez vous purifier? Ouais. Ouais, D'accord. important, bien sûr. Important. Là, les établis. La cache. Il y a le recyclage quelque part, Cyber? Je vais voir la chambre d'hôte. Ah Tu non, c'est le vois. bar ici. C'est. Je me suis trompé. Comme par hasard, tu. Oh, bah c'est le bar! Mince, mince alors, terrible. Là là, j'adore le côté là, avec tous les posters, etc. Vraiment comics, c'est trop chouette. Ouais. Le bar, avec les petites chopes de bière. On fait un petit buff avec Clara. Ah, c'est sympa, hein? Bah allez-y, allez-y, ah ouais, c'est trop bien. Je prends une petite photo, Geoffrey.
Attends, ouais, venez, Faites-moi plaisir. On joue tous, viens jouer Cyber et puis je vais faire une petite photo. Ah oui, Scorn est terrible, effectivement. Alors... Ah ouais, je suis de dos, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'on a tout le monde? On voit pas très bien. Faites voir. Ah, est-ce qu'il faut mettre un filtre? Je suis pas sûre. Ah, Scotty. Qu'est-ce qu'il dit? Scotty qui nous parle du Game Pass, bien sûr. Ah. Non, on va pas mettre... Ou Dandy? Non, non. Cool, noir et blanc. Ah, non, mais c'était où? Je veux pas de... Je veux plus. Aucun, voilà. Hop! En tout cas, hyper beau, quoi. Non, mais vous avez tous une de ces patiences de faire des camps. J'avoue que moi, je l'ai pas. Hein. Clairement. Puis, j'ai pas de goût. Oh, le petit extérieur. Ah, mais t'as vu sur mon camp? On est où, là? Ah, les petites shops. Toutes les shops, là. Trop belles. Ah oui, il y a mon camp là-bas au loin, sûrement. Bon, je vois pas, parce que j'ai pas une très bonne vue, mais... ah, Chali Meme. Ouais, je vois où il est. Incroyable. Ah, le barbecue. Oula. Alors là, Clara s'est mise tout de suite au barbecue, c'est bon. Ce soir, c'est elle qui cuisine. Ah, on monte encore d'un étage. J'adore toutes les petites lampes là. Tous les tableaux de score, évidemment. T'as tout fini à chaque fois, trop bien. Ah, mais toi aussi, t'as des petites... comment on appelle ça? Des trucs scientifiques, quoi. Des bêtes dans des bocaux. Dans des grands bocaux. Des spécimens. Des spécimens. Ah là là, les armures. La statue. Oh, les petites peluches. Oh, je préfère les peluches plutôt que les gars dans la... Je jeté dedans. Le jacuzzi. Oh, l'armure, c'est vrai, sublime. Sublime. Trop bien. Pas mal ça, le jacuzzi. Hein. Tous au jacuzzi. Est-ce que t'arrives à aller dans le jacuzzi, à t'asseoir dans le jacuzzi, Geoffrey? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ah, non, il veut plus. Moi, il veut pas. Non. Je pense que c'est que deux, peut-être. Je me sens je suis de trop, pardon. Cyber, il est trop roleplay, il se déshabille et tout avant d'aller dans le jacuzzi. C'est vrai. tu l'as gâché toute son eau là, il va devoir la vider. Ah, la cache. Amourante va sortir du jacuzzi. Non, quel enfer. Hop. Trop beau. Est-ce qu'il y a... T'as un abri? T'as quelque chose? On te suit, hein. Est-ce qu'il y a une pièce secrète? Avec des choses qui font peur. Visiblement, oui. Ah, c'est la cave, ça. Je le sens bien. Derrière toute cette beauté et tout. Voilà, enfin. Ah là là. La salle, l'entrée de l'abri. Les secrets cachés. Super. Là, dans l'atrium. Dans l'atrium. Non, il n'y a rien dans l'atrium. Ah, c'est triste. Ah si, ça s'affichait pas, pardon. Oh. Oh là là. Oula. Ça a pris un peu de temps à charger, quoi. C'est royal. C'est complètement royal. J'ai l'impression de devoir payer pour pouvoir venir ici. Tu vas devoir donner toutes tes caps, Geoffrey. Je te jure. Le petit bar, la petite lumière qui va bien. C'est pas encore fini, nous dit Marie. Putain. Ouais. Mais je trouve ça ouf. Faire du petit dada. Du Mister Trognon. Les affiches, aïe aïe aïe. Ah, la machine de voyance, vas-y. Dis-moi ce qui va m'arriver. Voilà.
Ah, ma chance accrue de deux. Bravo. À mon tour. on vient là, Cyber. Qu'est-ce que. On arrive, on arrive. Ça n'est pas en fait une cheminée. Ah, c'est une porte secrète! Bien entendu. Bien entendu. C'est de plus en plus étroit. J'ai très peur de là où il nous emmène. Les secrets les plus darks de Ah, Cyber révélés non! en live. Pour Ah, parce que. rentrer dans la chambre. C'est trop mimes. Des petites peluches et tout. C'est trop trop mimes. Mais ouais! Le train et tout. Oh, pardon, j'ai désactivé. Par contre, ouais, Cyber, ne nous enferme pas, je t'en supplie. Merci. Coincé ici pour l'éternité. Aïe aïe aïe. Bah ça c'est un vrai abri de Fallout quoi du coup hein. Bah Un vrai cache. là, on serait pas malheureux, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Là, franchement, je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Une petite maniaquerie pour Monsieur Trognon, Cyber? Petite addiction. Ah, toutes les figurines. Trop bien. Les arbres artificiels qui vont très bien. Oh, la salle du maître. Les lions. La table de réu. Voilà, oui, ah oui, d'accord. Ça discute Battle Plans ici. Hein. Bah ouais, viens faire la réu, Geoffrey. Bien sûr, pardon, pardon, je. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que là, bah, c'était très bien et puis c'est très cool de pouvoir finir sur cette exploration de camp. Voilà, je vais alors avant de conclure, je reviens à ta question. Qu'est-ce que tu nous disais? Qui m'avait un problème avec la boutique? Attendez, je remonte le chat. Non, Fréduche, évite pour le coup, parce que tu vas te faire ban par le. Si vous mettez des liens dans le chat, vous allez vous faire ban. Bon, c'est 5 secondes, je crois, mais vous mettez des liens. Alors, explorateur, que je regarde si je comprends bien. L'Atomic Shop a été mis à jour. Oui, il est mis à jour tous les jours vers 18h normalement. Enfin, tous les jours, avec les objets gratuits, sinon c'est une fois par semaine, il me semble. Donc hier, tu as acheté le set d'établis des Samaritains pour 540 atomes. Ce soir, le lot des Samaritains est à 1800 atomes. Et ça m'indique moins 0 atome de déduction par rapport à ce que je possède déjà. Attention, je suis nulle en maths, je réfléchis à ce que je dois comprendre. Vas-y, Geoffrey. De quoi, pardon, excuse-moi, je gère un petit truc à côté. En gros, tu as acheté quelque chose à 540 atomes et aujourd'hui, il est en vente plus cher. C'est ça ton problème, explorateur? Ou alors, tu as déjà. Ah, c'est pas le même lot, peut-être? Attends. C'est pas le même lot et tu as des choses que tu as déjà et tu te dis que ça devrait être automatiquement déduit si tu rachetais. Je vais voir la boutique. Alors, les pumas. J'essaie de voir l'autre Bien sûr, il peut pas. Samaritain. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, tu as déjà des objets en fait, c'est ça, et tu as l'impression. Mais écoute, envoie-moi. Ça va être un peu fastidieux, je vois qu'il y a beaucoup de choses dedans, avec les drapeaux, des établis, blablabla. La réalité, le plus simple, c'est d'écrire au support, mais tu peux écrire au support et tu peux aussi m'envoyer, si possible, des screens qui montrent ce que tu as déjà. Genre, voilà, je sais pas, l'établi d'armure des Samaritains, par exemple. Et ce screen-là que j'ai à l'écran qui montre qu'effectivement, il n'y a pas de déduction qui s'opère. Et du coup, ouais, que je puisse voir s'il y a un bug ou pas. Les établis sont à droite de l'image. Parce que toi, t'as acheté quoi du coup?
Touk, 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 touk. L'eau. Et je cherche le set d'établi des Samaritains. L'eau de secours des Samaritains. Et il est dans quoi le set d'établi des Samaritains? Tac, tac, tac. Bon, il n'est pas là-dedans. L'eau, l'eau. Non. Je cherche, hein. Oui. N'hésitez pas à parler. Non, non, mais écoute, Cyber et moi, on fait un petit jam, quoi, du coup, en patientant. Moi, j'arrive. 7. Non, 7 de l'homme phalène. Merci Frétu. Ah, il était dispo peut-être pour une durée limitée. À côté des drapeaux. Ah non, mais défense. Ah, c'est peut-être pour ça que je le vois pas. Bon, en tout cas, hésite pas, si possible plutôt sur Twitter. C'est moi sur le compte Twitter Bethesda France. Sinon, où tu veux, n'hésite pas, tu me fais des captures d'écran montrant bien ce que tu as et ce que tu aimerais acheter et sans la déduction. Et juste, tu me précises bien ton compte de jeu et sur quelle plateforme tu es pour que je puisse remonter ça aux équipes. Et puis voilà, et voir, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un souci ou quelque chose. Donc, en tout cas, n'hésite pas. Voilà. Je rebascule sur nous trois. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je pense que c'était bon. J'espère que j'ai rien loupé. Non, on est bon. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, on était très contents de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. Encore une fois, très bonne année à tous. Santé, Euromillions et tout ça. Capsule. Voilà, on se retrouve mardi prochain, même heure, 18h, pour un nouveau stream. Et je ne sais pas encore à quoi on jouera. On verra bien. On verra bien. Et bien, parfait. Merci Clara, merci Geoffrey. Merci à toi. Merci Geoffrey. Et merci à vous surtout. Et puis, merci à tous. Passez une très très bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, salut. Bonne soirée tout le monde.